Bonjour, chers élèves. Je suis M. Samba Jean-David, professeur de français. Nous nous retrouvons ce matin, comme nous le faisons ce dernier temps, dans le cadre de la continuité pédagogique, programme lancé par le MEPSA pour vous aider à consolider vos compétences depuis la maison. Et ce matin, nous nous proposons de travailler sur la dissertation, notamment sur la rédaction de l'introduction. Étant entendu que les séances passées, nous avons travaillé sur les étapes de cet exercice, notamment la compréhension du sujet, et nous avons également travaillé sur la recherche des idées, des arguments et des exemples, la séance passée. Et donc ce matin, nous nous proposons de travailler avec vous sur la rédaction de l'introduction. Et comme vous le savez très bien, que lorsque l'on amorce un débat, qu'il soit oral ou écrit, il faut d'abord circonscrire le problème. Il faut que les co-débatteurs maîtrisent le sujet pour que le débat s'oriente correctement. Et donc, à la fin de cette séance portant sur la rédaction de l'introduction, vous devez être capable de rédiger une introduction normative, c'est-à-dire qui respecte les étapes 3, notamment à partir d'un sujet proposé par le professeur. Pour aller dans le vif du sujet, nous allons d'abord nous accorder sur un certain nombre de choses. Question de nous rappeler ce qu'on doit faire dans ce genre de travail, dans ce genre d'activité. Alors, combien de parties doit-on trouver dans une dissertation? Combien de parties doit-on trouver dans une dissertation? Eh bien, citez-les. Dans la dissertation, nous avons trois parties. Il y a l'introduction, le développement et la conclusion. Et comment appelle-t-on l'ensemble de ces trois parties? Eh bien, cet ensemble-là s'appelle le schéma de la dissertation. Un schéma que vous devrez absolument maîtriser. Mais il faut aussi qu'on vous rappelle à ce stade qu'il ne s'agit plus à votre niveau d'écrire introduction, développement et conclusion. Il suffit simplement de respecter les principes de ces différentes étapes et le professeur, le correcteur saura que vous avez là une introduction, vous avez là le développement et la conclusion. Et bien évidemment, dans la rédaction finale, il faut séparer d'une ligne au moins l'introduction du développement et le développement de la conclusion. Alors, qui peut nous rappeler le sujet sur lequel nous avons travaillé la dernière fois, notamment
au niveau de la compréhension. Le sujet abordé ce jour-là est ainsi libellé. Un critique déclare que le pouvoir déprave l'homme. Un critique déclare que le pouvoir déprave l'homme. Justifiez cette assertion en vous appuyant sur le Pleurer-Rire d'Henri Lopez et ou le mariage de Figaro de Beaumarchais. Voilà donc le sujet sur lequel nous avons travaillé la dernière fois. Alors, pour ce sujet, quelles sont les étapes que nous avons abordées et quelles sont les étapes qui restent à traiter? La fois dernière, comme nous l'avons dit en introduction, nous avons fait la compréhension avec les 7 étapes, les 7 moments de l'introduction, plutôt de la compréhension. Nous avons ensuite travaillé sur la recherche des idées, les arguments que nous avons formulés, les exemples que nous avons proposés dans les 2 œuvres pour renforcer évidemment ces arguments et illustrer davantage la thèse soulevée par le sujet. Et il nous reste donc la dernière étape, donc la rédaction proprement dite de la dissertation et plus particulièrement, plus précisément, l'élaboration de l'introduction et de la conclusion. Mais ce matin, comme nous l'avons dit, nous allons travailler précisément sur l'introduction. Alors, nous allons remettre le sujet au tableau. Question de mieux comprendre. Donc, sujet. Nous disons, un critique déclare que le pouvoir déprave l'homme. Justifier cette assertion en vous appuyant sur le Pleurer-Rire d'Henri Lopez et ou le mariage de Figaro de Beaumarchais. Voilà le sujet sur lequel nous allons travailler et que nous avons déjà amorcé la dernière fois. Nous allons le relire. Un critique déclare que le pouvoir déprave l'homme. Justifier cette assertion en vous appuyant sur le Pleurer-Rire d'Henri Lopez et ou le mariage de Figaro de Beaumarchais. Un critique déclare que le pouvoir déprave l'homme. Justifiez cette assertion en vous appuyant sur le Pleurer-Rire d'Henri Lopez et ou le mariage de Figaro de Beaumarchais. Alors, la dernière fois, lorsque nous avons abordé l'étape de la compréhension de ce sujet, nous avons relevé un certain nombre d'éléments.
quel est le thème que nous avons retenu ou qui se dégage de ce sujet? Nous avons dit qu'il s'agit dans ce sujet du pouvoir. Donc le thème, c'est le pouvoir. Nous avons également indiqué le problème posé par ce sujet. Et à cet effet, nous avons retenu les conséquences du pouvoir ou les méfaits du pouvoir sur l'homme. Au niveau de la reformulation, vous vous en souvenez certainement, nous avons dit ceci: selon le critique, l'autorité politique transforme l'homme. Selon le critique, l'autorité politique transforme l'homme. Et lorsqu'il s'est agi d'aborder la problématique, d'abord revenons sur le thème que nous avons relevé la fois dernière, eh bien, le thème, nous avons dit, il s'agit du pouvoir. Au niveau du problème posé que nous avons retenu la dernière fois dans la partie compréhension, nous avons dit qu'il s'agissait des conséquences du pouvoir ou les méfaits du pouvoir sur l'homme. Alors, s'agissant de la problématique, nous rappelons la problématique formulée la dernière fois est ainsi libellée. Dans quel contexte le pouvoir pervertit-il l'homme dans le pleurer rire. D'Henri Lopez et ou dans le mariage de Figaro de Beaumarchais. Dans quel contexte le pouvoir pervertit-il l'homme dans le pleurer-rire d'Henri Lopez et ou dans le mariage de Figaro? Voilà la problématique que nous avons initiée. Et s'agissant du plan, parce que cela est aussi important dans l'élaboration de votre introduction, nous avons retenu par rapport à la consigne du sujet, nous avons retenu le plan dialectique, le plan plutôt explicatif, le plan explicatif. Et ce plan, évidemment, découle de la consigne du sujet. Bien, voilà les éléments que nous avons relevé la fois dernière dans la compréhension du sujet, et c'est à partir de ces éléments que nous allons rédiger notre introduction, les éléments qui vont nous aider
à rédiger notre introduction. Alors, quelles sont, selon vous, les étapes d'une introduction? Quelles sont, selon vous, les étapes d'une introduction? Les étapes d'une introduction sont, nous allons les énumérer, donc les étapes. De l'introduction, les étapes de l'introduction. Alors, la première étape, lorsque vous rédigez votre introduction, la première étape à laquelle, ou le premier élément auquel vous devrez penser, c'est la mise en contexte du sujet. Donc, nous avons la mise en contexte du sujet ou les généralités. La deuxième étape de l'introduction, c'est la reprise. La reprise de l'énoncé. La reprise de l'énoncé du sujet. Ou la reformulation, si possible, Et la dernière étape, c'est la problématique et l'annonce du plan. Voilà les trois étapes fondamentales, qu'il faut retenir pour rédiger une introduction. Alors, en quoi consiste chacune des étapes? Eh bien, la première étape, la mise en contexte du sujet, consiste à présenter le sujet en une phrase, en le rapprochant du thème. Ici, évidemment, le thème, c'est le pouvoir. Donc, ce que vous devrez faire, c'est évidemment parler de façon générale du pouvoir. Ça, c'est la première étape. La seconde, il s'agit d'insérer la citation, s'il y en a une, dans une phrase, en dégager le problème posé. Alors, ce que vous devrez retenir quand vous arrivez à ce niveau-là, donc la deuxième étape, il y a deux possibilités. Vous pouvez insérer intégralement la citation, s'il y a une citation, mais après l'insertion, il faut absolument expliquer. Et l'explication ici n'est autre que la reformulation du sujet. Voilà pourquoi nous avons dit que les éléments de la compréhension vont vous aider à mieux rédiger votre introduction. Donc, si vous mettez la citation intégralement, il faut absolument expliquer. En disant autrement dit, alors vous prenez la reformulation. Mais si vous prenez le choix d'insérer la reformulation, en ce moment-là, d'abord, les guillemets qui encadrent la citation tombent, et il n'y a plus à donner d'autres expressions, puisque la reformulation est déjà une explication claire de votre sujet. Et la dernière étape, la problématique et l'annonce du plan,
Eh bien, il s'agit de présenter la question ou les questions centrales du sujet et annoncer en deux ou trois phrases le plan choisi. Alors, nous allons continuer. Quelles phrases correspondent à chaque étape évoquée? Quelles phrases correspondent à chaque étape évoquée? Alors, à ce niveau, il faut que vous reteniez la chose suivante. Les professeurs n'ont pas l'intention de vous donner des phrases que vous allez mettre de façon systématique dans vos introductions. Cela relève de votre culture, de votre style. Mais ce matin, nous allons ensemble esquisser quelques phrases qui peuvent vous aider à ouvrir votre introduction. Parce que souvent, il y a problème à ce niveau-là. Donc, pour éviter cela, suivez ce que nous allons faire ensemble. Donc, quelles phrases correspondent à chaque étape? Donc, mettons ici les phrases correspondant à chaque étape. À chaque étape de l'introduction, bien sûr. À chaque étape. Donc, les phrases correspondant à chaque étape. Alors, s'agissant de la présentation du sujet ou de la mise en contexte, donc, présentation. Du sujet. Alors, ici, on peut retenir, entre autres, la phrase suivante. Faire de la littérature. Faire de la littérature. Une arme de combat ou un instrument de lutte ou un instrument de lutte contre la perversion du pouvoir. Contre le pouvoir n'est pas une préoccupation anodine. N'est pas une préoccupation anodine pour certains écrivains. Voilà la phrase qui peut nous permettre de présenter le sujet, hein, ce que nous avons appelé ici la mise en contexte du sujet ou généralité. On ne définit pas le thème, mais nous abordons de façon générale le thème dont il est question dans le sujet. S'agissant de la reprise de l'énoncé, donc la reprise de l'énoncé, du sujet, vous pouvez retenir entre autres. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'un critique déclare
que le pouvoir déprave. Le pouvoir déprave l'homme. Autrement dit, l'autorité politique transforme l'homme. Voilà l'élément de la reprise de l'énoncé du sujet. J'ai dit « entre autres ». C'est une phrase que vous pouvez évidemment manipuler. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'un critique déclare que le pouvoir déprave l'homme. Alors ici, nous avons remis en introduction, nous avons remis intégralement la citation de ce critique. Voilà pourquoi nous l'avons expliqué. Voilà pourquoi nous avons expliqué en nous appuyant sur la reformulation du sujet que nous avons déjà abordé. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Nous avons dit qu'il y a 3 étapes. Eh bien, il nous reste dans cette démarche-là l'étape de la problématique et l'annonce du plan. Donc, nous mettons problématique et annonce du plan. C'est la dernière étape. Alors, à ce niveau-là, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Eh bien, nous retenons ceci. Pour être logique, nous prenons la reformulation de la dernière fois. Il y en a plusieurs. Dans quelle mesure, dans quel contexte peut-on? Alors, nous prenons dans quel contexte? Donc, dans quel contexte? Dans quel contexte? Le pouvoir. Le pouvoir pervertit-il l'homme dont le pleurer rire d'Henri Lopez, d'Henri dans le pleurer rire d'Henri Lopez et ou dans le mariage de Figaro de Beaumarchais. À cet effet, dans quel contexte? Dans quel contexte le pouvoir
pervertit-il l'homme dans le pleurer rire et ou dans le mariage de Figaro de Beaumarchais. Donc voilà au tableau les trois étapes que nous avons indiquées, donc les étapes de l'introduction et les phrases qui correspondent ou qui peuvent correspondre à ces trois étapes. Alors, une fois ce travail réalisé, ce qui nous reste à faire, c'est de pouvoir compiler toutes ces phrases-là pour notre introduction. C'est ce que nous allons faire ensemble. Ce que nous allons faire ensemble, donc la compilation de toutes ces phrases-là pour en faire une introduction de notre sujet. Alors, nous allons donc prendre ceci, la dernière étape, donc, l'introduction rédigée. L'introduction rédigée. Alors, cette rédaction s'appuie sur les phrases que nous avons initiées ici. Alors, on prend donc, faire de la littérature une arme de combat ou un instrument de lutte contre la perversion du pouvoir n'est pas une préoccupation anodine pour certains écrivains. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'un critique déclare nous remettons donc la citation, le pouvoir déprave l'homme. Autrement dit, l'autorité politique transforme l'homme à cet effet dans quel contexte
le pouvoir pervertit-il l'homme dans le pleurer rire dans le pleurer rire d'Henri Lopez et ou dans le mariage de Figaro, dans le mariage de Figaro de Beaumarchais. Voilà représenté dans notre introduction les étapes que nous avons énumérées. Ces étapes se retrouvent finalement dans l'introduction rédigée et c'est ce que vous devrez absolument faire lorsque vous serez en face d'un sujet de dissertation, hein, notamment dans la rédaction de votre devoir. Et l'introduction joue un rôle fondamentalement important dans la dissertation. Alors, si les étapes ne sont pas respectées par vous, eh bien, le reste ne peut pas marcher. C'est la tête. Et il y a fondamentalement deux aspects. Présenter le problème et dire comment résoudre ce problème. Telles sont les fonctions fondamentales de l'introduction. Pour continuer ce travail à la maison, je vous propose un sujet. Et en suivant les étapes que nous avons au tableau, vous aussi, à domicile, rédigez une introduction. Je vous mets donc le sujet au tableau. Bien, nous allons mettre le sujet ici pour que chacun se mette à travailler à domicile en suivant le modèle qui est au tableau. Bien, donc. Évaluation. Sujet. Faites la rédaction de l'introduction de l'introduction à partir du sujet suivant. Bien, nous le mettons ici. Stendhal. Stendhal écrit. Stendhal écrit dans son roman. Le rouge et le noir,
le rouge et le noir. Nous lisons un roman. Est un miroir que l'on promène le long d'une route. Justifier ce point de vue, en vous appuyant sur les œuvres que vous avez lues. Bien, nous relisons le travail à faire à la maison. Sujet, faites la rédaction de l'introduction à partir du sujet suivant. Stendhal écrit dans son roman « Le rouge et le noir ». Un roman est un miroir que l'on promène le long d'une route. Justifiez ce point de vue en vous appuyant sur les œuvres que vous avez lues. Vous pouvez vous appuyer évidemment sur le Pleurer, rire aussi, d'Henri Lopez. Voilà, chers élèves, ce que je tenais à partager avec vous ce matin pour vous aider à renforcer vos compétences depuis vos maisons. Suivez le modèle que nous avons initié au tableau ce matin pour rédiger vos introductions. Et nous allons à très bientôt nous revoir. Je vous dis merci.